nouvelle version. Donc, je vais vous parler des deux discours qu'ils ont eu à faire. Le Mossi national, le plus français de tous les Guinéens et le plus burkinabé de tous les Guinéens, Alpha Condé. Et le discours de CDD, les deux, je vais comparer à ma façon, comme d'habitude. Je ne sais pas vous, ce que vous avez pensé, ce que vous voulez. Chacun pense ce qu'il veut, comme je vous le dis tout le temps. Moi, je fais comme je peux aussi. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut parler. Il faut attendre que je finisse peut-être 10-15 minutes. Et puis peut-être que je prendrai quelqu'un. Il y a des gens qui envoient les, comment on appelle ça, les rajouts là. Je ne peux pas pour l'instant. Excusez-moi. Donc, comme d'habitude, voilà, je vais commencer. Qu'est-ce que moi j'ai vu dans les deux trucs? Je les ai écoutés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais juste résumer à ma façon avec certains points. On va commencer par Alpha parce que c'est le plus vieux. On va lui donner, comment on appelle ça, droit de naissance, c'est ça. Donc, comme d'habitude, il a beaucoup parlé du Covid-19, du coronavirus. Il a beaucoup insisté sur ça. Bon, c'est comme d'habitude, quoi. Comme s'il veut se blanchir, se racheter. Peut-être c'est dû à ça, mais ça, c'est venu en fin de mandat. Donc, ce n'est pas la cause de notre retard. C'est complètement venu en fin de mandat. Après, comme les promesses habituelles, on n'est pas obligé de croire ce qu'il dit parce que d'habitude, il ne tient pas ses promesses. Dieu seul sait ce qui va se passer. Donc, ça, vous savez, je vous l'ai souvent dit, c'est quelqu'un qui est très, très difficile à défendre vu qu'il tient toujours des fausses promesses. Même s'il dit la vérité cette fois, est-ce qu'on est obligé de croire? C'est une question de logique et de bon sens. Voilà, ça n'a rien de méchant. Moi, je pense que voir les choses de cette façon, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, pourquoi il tiendrait ses promesses maintenant, pardon, 10 ans après? Bon, comme on le dit, je ne veux pas dire ce terme, mais il n'y a que les qui ne changent pas. Peut-être qu'il va changer. On verra. Ça, je ne crois pas. Mais ça m'étonnerait très, très, très fort. Bon, quelqu'un qui parle d'écologie, à chaque fois, il parle des ressources du sous-sol. Moi, cela m'agace, quoi. Cela m'agace. Il se justifiait. C'est comme quelqu'un qui se justifie et tout. Pourquoi ceci n'a pas été fait ou cela. Je globalise. Voilà. Maintenant, quand on vient à CDD, il revient toujours sur sa victoire. Il a pris beaucoup d'assurance. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, je vois un Dalain auquel avant, moi, je vois que ce n'est plus le même. Il a pris beaucoup d'assurance. Il parle, vous voyez, il est à l'aise. Il insiste. Et puis, le décor, la vidéo que j'ai vue, je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu, hein. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé, il sortait, c'est comme s'il sortait de chez lui, c'était une mise en scène, c'était très très sympa, c'était joli, et puis il y avait une petite musique de fond, c'est ce que moi j'ai vu, hein. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu, donc il a parlé des injustices, de l'inégalité, des arrestations, et qu'il a vraiment tapé fort, quoi. Il a taclé sans arrêt, ça c'est tout à fait logique, et ce qu'il a dit, il n'a rien inventé, il a parlé de son bilan global, voilà, qui était plutôt négatif. Certes, moi, de mon point de vue, il y a des choses qui ont été faites, comme je le dis à chaque fois, mais on reste sur notre faim. Donc, Dalain est revenu là-dessus, il n'a pas fait de cadeau, cela est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe. Et il revient sur sa victoire, cela aussi est tout à fait normal, parce qu'avec tout ce qui se passe, on a vraiment l'impression qu'il a vraiment gagné, parce que quand on voit cet acharnement, il a parlé de sa politique qui est d'un autre, sa politique et les mœurs qui sont d'un autre âge. C'est d'un autre âge, c'est-à-dire il veut nous ramener en arrière, c'est ce qu'il a dit clairement. Quand on voit aujourd'hui comment il se comporte, on ne peut pas imaginer que c'est ce monsieur Alpha qui s'est tout le temps battu, que nous on a connu, que les gens admiraient. Et un homme de droit et tout. Donc, il est revenu sur ça. Cela aussi est tout à fait logique et normal. Il n'a pas. Tout ce que moi j'ai vu, c'est vrai ce qu'il a dit. Et c'est quelqu'un, contrairement à Alpha, Alpha peut-être c'est son âge aussi. C'est son âge ou peut-être, je sais pas, il a un problème orthophonique, il prononce souvent très très mal. C'est peut-être sa façon de parler. Coucou. Peut-être c'est sa façon de parler. On ne peut pas changer cela. Dalain, il est beaucoup plus jeune, il articule plus, c'est quelqu'un qui articule, c'est quelqu'un qui insiste sur ses mots,
Il est très très sûr de lui ces derniers temps. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Voilà, peut-être par rapport à comme il a gagné dans les urnes. Moi, je pense que il a raison. Sur l'ethnocentrisme, l'ethnocratie, l'ethno-stratégie, la division ethnique, le fait d'opposer les ethnies, les Peuls aux Malinké, les Soussous aussi. Oh, ça, il a... Bon, il a parlé de toutes ces choses, hein. Le fait que la cherté de la vie, que la vie soit très, 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 très chère, ça aussi, il a raison. Donc, moi, j'ai juste trouvé le discours un peu long. Mais moi, je pense qu'il voulait rentrer dans les détails, il voulait montrer qu'il maîtrise la situation, il voulait verser sa colère et tout. Cela aussi est tout à fait normal. Après, pour quelqu'un qui n'est peut-être pas guinéen, ça va faire peut-être long. Et en même temps, il s'adressait aux Guinéens aussi. Voilà, son message était beaucoup plus familier. C'était familier, il a parlé des morts, le corona, par exemple, lui, il a parlé plutôt du côté que ce soit utilisé dans le sens politique, et aussi il a parlé des gens, du personnel médical, des morts dans les manifestations, toutes ces choses. Moi, je remarque souvent que Alpha, dans ses discours, peut-être que c'est les partis sur lesquels je tombe, il parle jamais comment on les appelle? Il parle jamais des morts, des manifestations, c'est-à-dire les martyrs, on peut les appeler les martyrs, ce sont des martyrs. Quand il y aura un président, que ce soit d'Alain ou autre, quelqu'un de sensé et sensible, il va faire cas, ça c'est clair, tôt ou tard, ça sera dans notre histoire. Donc d'Alain, lui, il en fait cas, Alpha n'en fait jamais cas. C'est comme si ceux qui meurent dans ces manifestations et autres, que ce soit dans les manifestations ou les balles perdues, je sais pas comment on appelle ça, les gens qu'on trouve dans leur sommeil, peu importe. Lui, il n'en fait pas cas. C'est-à-dire, ça, c'est comme si c'était sur le côté de Dalin. Lui, c'est pas son côté. Moi, je pense que c'est un président de la République, quoi qu'il en soit. Il s'est adressé en tant que président, même s'il y a beaucoup de doutes sur cette histoire d'élection. Il y a énormément de doutes. Il y a de plus en plus de doutes là-dessus. Lui, il doit parler. C'est ça le problème d'Alpha. Il n'a pas un discours rassembleur. Quand tu regardes en profondeur, ça ne rassemble pas. Parce que, il peut signaler cela, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'il valide ou qu'il accepte la victoire de l'autre. Non, ça n'a rien à voir, c'est ton peuple, point. Tu es là depuis 10 ans et tu es en train d'entamer un autre mandat. Il faut rassurer les gens. Donc, moi, j'ai pas apprécié ce côté. Ça, c'est des côtés que je n'apprécie pas. Vu son âge et son expérience, lui, il doit avoir un discours plutôt rassembleur. S'il y a quelqu'un qui est là, qui ne doit pas être content, je pense que c'est Dalin. Mais celui-là est plutôt, il est serein, et ce côté d'être serein comme ça, cela peut faire peur, parce que quelqu'un qui réclame une victoire qui n'est pas normalement en position de force, quand on prend les choses comme ça se passe dans l'environnement de notre pays actuellement, on peut se dire que ça doit être lui qui doit être énervé, fâché et tout. Mais Alpha n'a pas un discours rassembleur, il n'a pas un discours rassurant. C'est pas quelqu'un qui rassure, c'est pas quelqu'un qui rassure, pas du tout. Cela n'est pas, c'est pas bien quoi, ce n'est pas du tout bien. Donc je sais pas comment. Et puis le décor, moi j'ai pas beaucoup apprécié le décor avec la porte à côté. Je ne sais pas ce qu'ils mettent là, si c'est avec l'ordinateur ou quoi, avec l'hymne national, il y a des images qui sortent. C'est très très vilain, c'est très très moche. Ça, c'est des trucs auxquels il faut faire attention. Voilà, c'est l'image du pays et tout ça. Il faut faire attention à ces petites choses. Ça, c'est personnel, parce que peut-être que je suis une femme, c'est l'esthétique. Bon, Guénée Kaba, peut-être que tu devrais faire attention à cela. Il doit y avoir une équipe de communication, une équipe technique quand même qui doit faire attention à toutes ces petites choses. Donc, s'il y a une ou deux personnes qui veulent intervenir par rapport à ça, pourquoi pas, je vous rajouterai là, ou alors le numéro WhatsApp. Ceux qui sont en France, vous allez le prendre, c'est le 06 27 85 89 96. Je vais essayer de rajouter quelqu'un. Je ne sais pas s'il est toujours là ou pas.
Je ne sais pas si c'est Monsieur Conté ou Konaté, le nom là qui Conté. Allô, bonjour, je me déplace. Pardon, je me déplace, ouais. Allô? Oui, pardon, je me déplace. Je me déplace, ouais. D'accord. Madame Sissoko, bonne année. Bonne année, bonne année. D'accord, merci. D'accord. Et là, je vous ai pris en cours. Du coup, si je comprends bien, vous... Les deux C'est un discours. débat sur les deux discours. Celui de Célie Dalleg et celui du professeur, du soi-disant professeur, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. OK. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement de Michel Alpha Condé au pouvoir, on a tous vu ses premiers discours. Même lorsqu'il était opposant, Alpha Condé n'a jamais eu un discours rassembleur en Guinée, vous savez déjà. Que ce soit lors de ses campagnes, lors de ses meetings, lors des manifestations et tout ça, Alpha Condé n'a jamais su ou pu réunifier les Guinéens, même ses militants. D'accord? Alpha Condé a toujours cherché à mettre de l'huile sur le feu. Il a toujours cherché à diviser les Guinéens. Toujours, même ses tout proches, il a toujours divisé pour régner. Sinon, aujourd'hui, la situation politique, les situations sociales et économiques de la Guinée, aujourd'hui, voudrait qu'on ait quelqu'un au-dessus du pouvoir, franchement, qui saurait vraiment réunir les Guinéens, les réconcilier, vu tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe maintenant. D'accord? Et moi, franchement, le cas d'Alpha Condé, il ne s'est pas étonnant. Ce n'est pas une première ni une deuxième. C'est la énième fois. D'accord? C'est pourquoi on dit souvent que si tu restes avec un comportement jusqu'à 40 ans, 45 ans, tu ne changes pas de comportement, c'est que toi, tu finiras, tu mourras avec ce comportement-là. Alpha Condé n'a jamais été une grande personne, franchement, je vous le dis. Alpha Condé a toujours été quelqu'un qui a divisé pour régner, qui, c'est que, il n'a jamais, je sais pas comment je pourrais qualifier cela, mais franchement, moi, personnellement, le discours, aucun discours d'Alpha Condé ne m'a étonné, aucun de ses actes ne m'a étonné. Tous les actes qu'Alpha Condé a posés en Guinée, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur du pays, franchement, ça laisse à désirer. Et certes, je ne m'attends pas à un changement de sa part, hein, et certes, je sais. J'ai juste oublié un petit truc à signaler. Il lance beaucoup de fleurs à l'armée ces derniers temps, quoi. Énormément. Ouais. Dans tous ses discours, il le signale. Ouais. Amoureux de l'armée actuellement. Franchement, c'est D'accord. le grand amour. Oui, sur ce point. Nous savons tous qu'il y a des soubresauts au sein de l'armée. Il y a une grande partie de l'armée qui est frustrée, mais certes qui ne l'a pas encore démontré par des actes et tout ça. Mais nous savons au sein de l'armée aujourd'hui qu'on le dise ou non, il y a des frustrés et il y a franchement des gens qui veulent se lever contre ça, qui veulent se lever pour ça. Vous voyez un peu? Mais si vous voyez tout cela, sachez qu'il y a quelque chose qui se trame au sein de l'armée aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle vous n'avez pas vu le communiqué qu'ils ont lancé tout récemment. Donc, je ne sais pas, ils veulent, c'est quoi? Ils veulent encore lancer un test pour l'intégration au niveau de l'armée guinéenne. Et sachant que tous les hauts dirigeants de l'armée aujourd'hui en Guinée, nous savons quels sont les gens qui gèrent aujourd'hui le pouvoir de... militaire en Guinée. D'accord? Donc, ils cherchent toujours à se faire aimer. C'est pourquoi une grande partie du budget national de la Guinée est destinée à l'armée guinéenne, est destinée à la défense. Donc, c'est pas fortuit. D'accord? Mais sachez qu'il y a quelque chose qui se trame au sein de l'armée, et sûrement, c'est la chose qui viendra la levée du pouvoir. Soyons sûrs, soyons rassurés. Inch'Allah, ça viendra. C'est Dieu qui mènera le combat des Guinéens, Inch'Allah. Ça, il n'y a rien à dire sur ce point. Maintenant, en ce qui concerne le discours de Célie Dalleg, bon, franchement, moi, le discours de Célie Dalleg ne m'étonne guère, ça ne m'étonne pas du tout. Célie Dalleg a toujours été un grand homme. Je ne le dis pas parce que, bon, disons que je suis de la même communauté que lui, ça n'a rien à voir. Célie Dalleg, moi, je dirais que c'est le meilleur opposant pour Alpha Condé, hein, franchement. Si aujourd'hui, vous mettez tous les opposants ici, Alpha Condé, il choisira Célie Dalleg parce qu'il sait que Célie Dalleg, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui accepte tout. Vous voyez?
Si vous voyez que Alpha n'a jamais aimé Sidy Touré, c'est parce qu'il sait que il y a des choses qui passent sur Sidy Touré qui ne passeront jamais sur Sidy Touré, hein, ou sur d'autres opposants. C'est pourquoi ce meilleur opposant, lui, il préfère Sidy Touré. Il préfère toujours avoir un challenger comme Sidy Touré, franchement. Donc, Sidy Touré, moi, son discours ne m'étonne pas. Et il a toujours été comme ça et il restera comme ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de gens disent que Sidy Touré n'aura pas le pouvoir parce qu'il est humble, parce qu'il est, il accepte. Voilà, il accepte tout le monde, vous voyez un peu. C'est que c'est franchement le contraire chez Alpha Condé. Et vous voyez, le plus souvent, c'est des gens comme ça qui ont le pouvoir. Des gens, des satans comme ça, comme Alpha Condé, franchement. C'est des gens comme ça qui ont le pouvoir le plus souvent. Bon, il y a deux points que je voulais signaler. Bon, ouais. le côté complot interne et externe est revenu. C'est, Alpha, c'est toujours les mêmes mots-clés qui reviennent dans tous les discours. Le côté complot est revenu, le complot interne et externe, souveraineté, machin, machin et tout. C'est toujours le même truc. Oui. C'est là où frappez chez les Guinéens. Maintenant, revenons par exemple. Moi, avant, je ne le voyais pas de cet œil, sincèrement. Donc, c'est pourquoi moi, je me suis dit... Ce que les Guinéens ne comprennent pas en politique, le fait que Dalin se soit présenté a ouvert beaucoup de portes. On ne voit pas cela. Vous voyez? Ouais. Une catégorie de personnes a vraiment un autre regard aujourd'hui sur cet homme et sur ce parti. S'il ne s'était pas présenté, il n'y aurait pas eu cela. Vous voyez, après, les gens se disent qu'en politique, forcément, avec tout ce qui se passe actuellement, il faut que Dalin s'asseye à ses retours. C'est ça le gain obligatoire. Pas forcément. Ça a montré, le fait qu'il se soit présenté, ça a montré beaucoup de faiblesses de ce pouvoir, beaucoup de faux pas de Alpha et beaucoup de failles dans le système. Cela peut servir à d'autres personnes plus tard. Mais oui. Refuse de voir ce côté. Les gens sont, les Guinéens souvent sont de très mauvaise foi et très très limités. C'est blanc ou noir. Ils savent pas qu'il y a des pouvoirs intermédiaires. Donc c'est ce que je voulais. Exactement. En fait, je vais racheter un peu ce que vous avez dit. Je suis sur la même longueur d'onde, je suis d'accord avec vous. Et je vais revenir d'abord un peu en arrière sur ce que vous aviez dit, sur le cas du complot interne et externe. Et vous savez, lors du premier régime en Guinée, C'était toujours les mêmes mots, les mêmes phrases. Les complots, ceci ou cela. Et vous savez, les dictateurs, le mot de dictateur, c'est quoi? C'est souveraineté nationale. Quand on veut assiéger le peuple, quand on veut voler le peuple, quand on veut les mater, on dit toujours souveraineté nationale, on est souverain, on est un État souverain, on est libre. En fait, c'est le mot des dictateurs. Pour dire que, ouais, aucun État n'a le droit de s'immiscer dans nos affaires internes. Vous voyez un peu? Alpha, c'est un marxiste. Alpha n'est pas un démocrate. Alpha, oui. C'est un marxiste. Dalin a rappelé qu'il est d'un autre âge, sa technique. Justement, il a des techniques... anciennes, révolues. Très, très révolues. Très, très révolues. Pour une population qui est assez jeune. Donc, ouais. C'est nous ramener en arrière, quoi. Ça ramène. Bah oui! Mais c'est pas mauvais. Parce que nous qui n'avons pas vécu Sékou Touré, ça fait qu'on voit un peu à quoi ça ressemblait. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, c'est faux, tout ce qu'on disait de Sékou Touré, c'est faux. Tout n'est pas totalement faux. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, nous, ça nous donne, moi par exemple, je n'ai pas parlé au nom de tout le monde, ça me donne une image à peu près de ce qui se passait avant. C'est bah oui! On, sur un autre point, sur d'autres plans, on évolue, on avance parce que ça nous fait voir des choses, parce que ça nous fait réfléchir. Tout cela pousse certaines personnes à réfléchir. Sinon, on ne serait pas arrivé à ce point, on n'aurait pas vu certaines choses. Bon, ça, c'est mon avis personnel, hein. Donc, oui, évidemment. C'est pourquoi je dis qu'Alpha, c'est un marxiste. Alpha, il est vraiment trop rétrogradé. Il est en arrière, il ramène encore le pouvoir dictatorial de 1960 et autres, 80 et autres, vous voyez un peu. D'accord. Et quittant le sujet, en revenant sur le deuxième cas que vous avez donné tout de suite, disant que, comment dirais-je, j'oublie même, je sais pas, lorsqu'on a parlé de la dictature d'Alpha Condé tout de suite, vous aviez émis quelque chose que je voulais signaler un tout petit peu. Oui, des complots internes et externes, je ne sais pas, c'est... D'accord, peut-être que ça me reviendra. D'accord?
Et ça, Alpha Condé, franchement, ça je vous le dis. Bon, alors, d'accord, nous parlions sur la candidature de Sélou Dalein en 2020. Mm-hmm. Moi, personnellement, moi, je n'étais pas d'accord pour que Sélou soit candidat en 2020, sachant qu'il serait volé de toutes les façons. Mais franchement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le fait que Sélou s'est présenté aux élections présidentielles a prouvé aujourd'hui aux survies du monde entier que Alpha Condé n'est pas aimé en Guinée. Non. Alpha Condé, depuis 93, Alpha Condé n'a gagné aucune élection en Guinée. Surtout cette élection de 2020. Alpha Condé a été battu dans le premier tour. Mais il a refusé. Et raison pour laquelle aucun président du monde entier n'a daigné féliciter Alpha Condé. Le RPG a sorti un communiqué du gouvernement d'Emmanuel Macron, disant que Macron a félicité Alpha Condé. Mais non, c'est pas vrai. Le communiqué que Macron a sorti, ce n'est mentionné nulle part, féliciter le monsieur le président. Et d'ailleurs, c'est un communiqué qui a interpellé Alpha Condé, lui demandant de faire attention aux droits de l'homme, aux droits humains, de les persécutions dont une communauté sont aujourd'hui victimes. Donc, franchement, si le gouvernement Alpha Condé, son régime et tout ça, est franchement sincère dans la tête, ben, ils n'ont qu'à s'asseoir, réfléchir et voir comment ils sont en train de gérer les Guinéens. Mais franchement, moi, je me pose une question aujourd'hui, madame. Mm-hmm. La seule question que je me pose aujourd'hui, est-ce que Alpha Condé et son clan, son premier ministre, tous ses ministres, quand ils rentrent chez eux la nuit, quand ils mangent, s'ils prient, ils se couchent la nuit, qu'est-ce qui leur vient dans la tête? Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils ont fait aux enfants des gens? Est-ce qu'ils réfléchissent, s'ils pensent à ce qu'ils ont fait de la journée? Mais franchement, cette question me targue dans la tête. Est-ce que ces gens-là, ils réfléchissent? Est-ce qu'ils pensent à ça? Il y a des gens, pas seulement eux, il y a une partie de ce monde, il y a des gens qui sont dans leur monde. Ça, c'est leur monde à eux. Ce n'est pas notre monde, hein. C'est leur monde à eux. Ouais. On ne peut pas se mettre dans leur tête, on ne peut pas discuter avec eux. Justement, c'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre un peuple. Parce que le peuple, eux, sont comme ça. Ça n'a rien à voir. Eux, ils veulent être au pouvoir. Ils veulent ils deviennent des pervers politiques. Quand ils sont pervers, ils ne pensent pas à certaines choses. Maintenant, un citoyen lambda qui est de l'autre côté va se mettre à ne pense même pas à cela. Non, je ne crois pas. Bah franchement, c'est ça. Moi, c'est ma question aujourd'hui. Ces gens-là, est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Est-ce qu'ils réfléchissent de leur bilan? Ils pensent de leur journée? Ils réfléchissent de tout ce qu'ils font aux gens aujourd'hui? Moi, cette question me tape dans la tête, franchement. On a affaire à des gens qui n'ont pas peur de Dieu et des gens qui sont aujourd'hui au bord du gouffre, qui sont au pied de la tombe aujourd'hui. Franchement, c'est ces gens qui sont en train de faire souffrir ce peuple, de tuer des enfants de ce peuple. Mais franchement, parfois, quand je ne sais pas les mots me manquent, je ne sais pas trop comment qualifier ce pouvoir, franchement. C'est pourquoi il n'y a pas Dieu dans la politique. C'est pourquoi ils vont nous dire qu'il n'y a pas Dieu. Parce que là, tout est... Bah oui. C'est... Mais après, bon. Après, dans 5 ans, c'est des gens qui seront dans la tombe déjà, qui laisseront ce pays. Vous voyez déjà le problème. Donc, ils vont continuer comme ça, ils vont le mettre à terre. Et voilà, ils vont passer, d'autres vont venir et on ne sait pas ce qui arrivera demain. Mais nous prions Dieu que ceux qui viendront après, franchement, aient pitié de ce pays, aient pitié de ces populations, aient pitié de ces jeunes et de ces enfants. Et franchement, que seulement Dieu pourra nous sortir de ce sombre temps, franchement, qu'on est en train de vivre en Guinée. Justement, c'est pourquoi, moi, par exemple, ce que je conseille à tout le monde, souvent en parler, il faut souvent revenir là-dessus. Pourquoi? Un exemple tout bête. C'est comme quand on se fait voler, par exemple, son téléphone, dans la rue, on se fait voler un truc, peu importe le truc, tu le réclames. Tu réclames ce qu'on t'a pris. Mais celui qui vole est très équipé. Comme les bandits habituels, il a un couteau, il a tout son arsenal. Donc, tu veux le poursuivre. Mais arrivé dans le quartier, il y a d'autres personnes, d'autres bandits qui sont là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu continues ou tu le laisses? Tu peux le laisser. Mais on ne peut pas t'interdire d'en parler. Quand tu passes dans le quartier, il y a souvent des enfants qui disent « Ah, c'est lui qui a volé le téléphone de mon frère. Hein. » Mais il ne faut pas regarder. Hein. Je ne veux pas qu'il voie, qu'il sache qu'on parle de lui. Donc, moi, je pense que de temps en temps, il faut revenir sur ça.
Parce que faire tout ça et s'asseoir tranquillement comme si de rien n'était, c'est trop facile, c'est trop simple. Parce que moi déjà, c'est même pas pour maintenant. Ce n'est même pas pour maintenant. C'est dans l'avenir. Quelqu'un d'autre va essayer de faire la même chose et ça va passer. On l'a fait aujourd'hui, on le fera à quelqu'un d'autre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est clair. Voilà. Eh ben c'est clair. Et après, on ne pourra rien dire. On ne pourra rien dire après. On ne pourra rien dire. Bah oui. C'est maintenant qu'il faut commencer à se battre contre ça et que les gens comprennent que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal parce que les gens en parlent. Les gens le savent. Mais tout le monde veut faire passer ça sous silence. Et voilà, mais c'est exactement ça le problème. Et ce combat aujourd'hui, il n'y a qu'une partie de la population qui est en train de le mener. Oui. Et c'est cette partie de la population qui est en train de subir ce pouvoir aujourd'hui. Oui. Et c'est exactement la fois dernière, je vous ai dit. Je dis, il faut franchement que le peuple se lève. Et quand on dit le peuple, c'est pas telle communauté ou telle communauté. Il faut que les gens se lèvent sans distinction, d'accord, de communauté, que tout le monde se lève, qu'on forme un seul bras et qu'on se dirige contre ce pouvoir, franchement, qui est en train aujourd'hui de mettre ce peuple à terre et de mettre ce pays à terre. Franchement, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui en Guinée. Ces trucs ethniques là, c'est ah oui, c'est ça. Et quand il y a ça, voilà, les gens sont comme des attardés mentalement, ça va pas dans leur tête, puisque ceux qui voilà, le plus ne veulent même pas s'en mêler. Mais de toutes les façons, avec le temps et l'avenir et tout, on verra comment ça va finir. Déjà ça chauffe un peu en bas, on verra ce moment là mais moi par exemple, personne ne peut m'interdire de parler de cela, parce que moi je me dis, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Peut-être tout ce qu'ils pourront, c'est d'afficher nos photos à l'aéroport de Conakry. Et quand on arrivera, peut-être qu'ils le prendront et le mettront au Niouf. Mais là, quelle que soit, en tout cas, la situation, personne ne pourra nous interdire de parler. Nous parlerons. Hein. Ah ben voilà, nous parlerons, que nous soyons ici ou que nous soyons en Guinée. Ben, nous parlerons. Eh bien, c'est clair. Nous dénoncerons ce qui se passera. Tout ce qui se passera, nous dénoncerons. Nous parlerons. Et voilà. Et jusqu'au jour que ça changera, voilà. Les gens qui ne veulent même pas qu'on parle de cela, dès qu'on commence à parler de ça, ah, vous êtes malade, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, mais attends. Vous savez, en Guinée, vous savez, dès que moi je suis en train de parler, je vois les commentaires, c'est que je suis déjà, voyant déjà mon nom, je suis déjà ciblé. Vous voyez un peu le problème. Et c'est ce qui fait le mal de la Guinée. Et c'est ce que Alpha Condé a inculqué dans la tête d'une grande partie de la population aujourd'hui. Vous voyez? Sinon, nous, avant, nous, au moment où on grandissait, on ne connaissait pas ça en Guinée. Nous, on a grandi avec tout le monde. Ben, vous le savez, vous êtes témoin. On a grandi avec tout le monde. Moi qui parle aujourd'hui, moi, je parle mieux Soussou que Poulard. Moi, je parle mieux Soussou. Vous voyez un peu? Bon, on n'a jamais connu ça. Mais franchement, je vous dis, Alpha Condé a fait du tort au Guinée. Alpha Condé nous a fait très mal, je vous dis. Il nous a fait très mal. Et c'est un vieux qui est à côté de la tombe, qui va partir là bientôt, qui a déjà mis ce pays à terre. Parce que je ne dirais pas qu'il mettrait, qui a déjà mis ce pays à terre, franchement. Et je vous le dis, que c'est seulement Dieu, c'est seul Dieu qui peut nous aider à nous en séparer, franchement. Voilà. Sinon, ce vieux, il nous a beaucoup... C'est compliqué. Bon, voilà, madame, j'ai des amis déjà qui m'appellent. Je vais laisser le flow, d'autres sont sur le fil. Voilà. Donc, voilà, je vous dis bonne année et bonne soirée, vraiment. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? On vous voit pas, hein? Vous ne voyez pas? Ah, on voit. Moi, je vois une casquette. Ben oui, attendez, excusez-moi, il y a peu de lumière. C'est bon. Excusez-moi. Voilà, moi, je voulais intervenir. Je vais être bref, je vais être court. D'accord, allez-y, s'il vous plaît. Voilà, je pense que le problème de la Guinée, c'est un problème commun. C'est un problème que tous les Guinéens doivent s'unir pour régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, le principal problème, bien sûr, c'est Alpha Condé. Même au niveau de l'opposition, il y a des gens qui sont responsables de ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, moi, je pense que tout le monde doit se donner la main et voir où se trouve le problème, effacer le problème.
C'est l'ethnocentrisme qui est en train de gâter tout. Voilà. Tant qu'il y a l'ethnocentrisme, on ne pourra jamais dégager un président, un mauvais président. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, commençons, les Guinéens doivent commencer d'abord à éliminer l'ethnocentrisme. Pour s'unir et après pour attaquer à un président. Si la population est unie, si les populations sont unies, effectivement, un président ne pourra rien faire. Mais s'il y a la division ethnique, ils pourront toujours arriver à diviser les gens et à continuer à faire leur, comment on appelle ça encore, leur dictature. Ça, même s'il y aura un autre président encore, à part Alpha Condé, s'il y a la division ethnique, il pourra nous manipuler. Ça, c'est ça, va revenir. Ça sera plus grave d'ailleurs. Voilà, voilà. Ok, merci, c'était mon intervention. Vous m'excusez. Je vous en prie, merci. Au revoir, merci. Bonne soirée. Ah, attendez. Les militants de l'UFDG sont paniqués. Pourquoi? Ils ne sont pas paniqués, ce n'est pas eux les voleurs. Ils ne sont pas accusés de vol. Ceux qui sont accusés de vol qui sont inquiets, puisque c'est eux qui arrêtent n'importe comment. Mon frère, vous ne pouvez pas gouverner autrement. Votre gouverner autrement, là, on a déjà vu ça. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ma soeur, assalamu alaikum. Comment ça va? Ah, ça va bien, et la famille? Ça va, Dieu merci. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça va, oui, ça va. Et nous prions pour que 2020 passe avec Corona et Condé. Ah, ça dure, oui. Je vais simplement intervenir concernant le sujet. J'ai pas bien écouté. C'est Loudalem, mais je sais que ce que j'ai écouté, c'est un message digne. Les deux discours. Ah, j'ai pas eu le courage d'écouter Alpha Condé parce que pour moi, il incarne tout ce qui est mal en Guinée. Donc, j'ai pas le temps pour l'écouter. Personnellement, ce n'est pas parce que je l'aime pas, mais à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, on voit la haine d'abord. Donc oui, pour moi, il n'y a pas grand chose dedans. J'ai écouté ce Loudalem un peu, j'ai partagé sa vidéo. Et j'espère que les gens vont comprendre le message, un message digne. Ce n'est pas parce que je suis un partisan de l'IFDG ou quoi. Il a dit la vérité. Si Alpha Condé a gouverné pendant 10 ans, il n'a pas pu sortir la Guinée de l'ornière. Ce n'est pas à la faute de l'opposition ou à la faute de Guinée. Il avait eu toutes les possibilités de mettre la Guinée sur les rails. Mais malheureusement, lui-même, il n'est pas sur les rails. Donc, il ne peut pas faire quelque chose. Donc, je demanderai aux gens de s'unir, de faire d'une manière afin que la Guinée soit avant tout la Guinée. On se bat pour la Guinée, on se bat pas pour ces Loudalem, on se bat pas pour une communauté, on se bat pour la Guinée. Si toutefois on arrive à comprendre ça, la Guinée ira de loin. Donc soyons comme on dit une nation, pas un pays. La nation c'est le peuple. Si le peuple est uni, on va gouverner d'une manière positive. Donc je sais que le problème de la Guinée ce n'est pas la population, parce que même aux États-Unis ou bien en France, si on laisse les habitants de ces pays se livrer à eux-mêmes, on ne verra absolument rien dans ces pays. Mais avec la loi, avec le comportement de ceux-là qui gouvernent, on arrive à voir quelque chose. Tout le monde rêve de venir aux États-Unis ou bien d'aller en France ou bien d'aller au Canada. Donc, c'est parce qu'il y a la loi. Mais si les individus qui sont en charge n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'est la loi, le peuple va souffrir. Tout à fait. Le Ghana était comme ça dans les années 80. J'étais un enfant. Mais j'ai lu l'histoire. Avec l'arrivée de Rawlings,
il a pu redresser le pays. Et c'est un militaire pareil qu'on a besoin en Guinée. Parce que les bandits qui sont là, là, il faudrait qu'on les attache, qu'on les arrête, qu'on les met en prison. Personnellement, moi, personnellement, je veux qu'un militaire vienne qui renverse tous ces individus-là, tous ceux-là qui ont détourné, qui les mettent en prison. Et on fait une justice. On fait, comment on dit ça, comment on dit ça, on fait le procès. Les coupables doivent être connus. Si on doit pardonner, on pardonne. Mais qu'on chasse qui a fait... Qui a fait quoi? Donc, on ne peut pas dire on a déjà pardonné. On pardonne ce qu'on a connu, ce qu'on a compris. Ouais. On peut pas pardonner ce qu'on n'a pas compris. En tout cas... Les individus ne peuvent pas sortir aller violer les femmes dans leur maison, prendre leur mari, les emprisonner, et on dit, oh, pardonnons au nom de la nation. Non, on ne peut pas pardonner des choses pareilles. On ne peut pas tuer des enfants, prendre une femme qui est en grossesse et dire, je vais me protéger contre des loupards qui lancent des pierres. Une femme en grossesse peut-il te protéger? C'est toi l'individu qui a pris la femme pour te protéger, c'est toi là qui devrais être devant pour protéger la femme, au lieu de dire, moi je prends la femme pour me protéger. Mais ça c'est de la sauvagerie totale. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais quand même, s'il y a un opposant en Guinée, s'il y a un homme qui pourra faire quelque chose parmi toute la classe politique guinéenne, alors là, c'est celui d'Alain. Sinon, il n'y a pas un autre. Ce n'est pas parce que je suis un partisan. Ce n'est pas parce que je suis un partisan. Mais quand on écoute les discours, on regarde les actes, mais... Pour l'instant, c'est lui seul. Sinon, on peut pas voir M. Sidya Touré. Personnellement, je le respectais. Mais quand il dit, je lance un appel au dialogue. Combien de fois on a dialogué dans ce pays? Ce que j'ai l'intention de faire, je vais couper ce direct tout à l'heure pour pas faire trop long par rapport aux gens qui vivent en Afrique. Parce qu'ils regardent, c'est eux qui regardent après. Ça les fatigue, quoi. Donc, après vous, je vais arrêter. Ceux qui sont là, je vais juste couper, quand je vais finir avec le frère, mettre le titre de la prochaine vidéo. Et on va engager la prochaine vidéo, quoi. Pour ne pas faire trop long. Un autre sujet. Mais c'est les mêmes. C'est ceux dont vous voulez parler, là. Donc, je ne veux pas déjà... Pourquoi il a été empêché de sortir C'est avant-hier, mais ma soeur, il n'y a pas... Je ne veux pas parler de ça maintenant. Il faut revenir pour intervenir, parce que ça va. Non problème. Tu as compris, non? Mi famille, j'ai compris, ma soeur. Et la prochaine fois, tu dois parler pour l'art, sinon je vais aller... Je regrette énormément.